Salut Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile et qui chaque semaine analyse, décrypte, décortique pour vous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis Chris et je suis tout seul, et oui, tout seul, un run solo pour vous présenter quelque chose de particulier, puisque ce soir on va parler de NXT, baby. Et oui, on va parler de NXT. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi il est là? Pourquoi il est là, David? Ils font jamais les weekly d'NXT. Mais là, c'est particulier, vous le savez tous. C'est la première live sur USA Network du show Jaune et Noir. Et pour la première fois de son histoire, puisqu'il était réservé au Network. On est dans un format un peu particulier, puisque pour les deux premières semaines, on aura une heure de show sur le USA Network, et la deuxième heure de show se déroule sur le WWE Network. Alors apparemment, de ce que j'ai un peu pu lire un peu partout, ça s'est pas très très bien passé, ça, il y a eu quelques problèmes de synchro et tout ça, il y a eu un peu de plaintes sur comment ça s'est passé, en particulier sur la deuxième heure du Network. Donc ça a été un petit bémol par rapport à cette soirée, mais bon, ça reste quand même un événement assez historique, d'autant plus que dans deux semaines ça sera réglé, puisque les deux heures passeront définitivement sur le USA Network, donc en TV live. Et vous n'avez pas fini d'entendre Mauro Ranallo vous hurler dans les oreilles. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les Wednesday Night Wars qui vont commencer, puisque vous allez avoir la AEW qui va, elle aussi, attaquer son show hebdomadaire. Donc, ça va s'appeler All Elite Wrestling Dynamite. Bon, alors, je crois que tout le monde l'a fait partout sur Internet. Dynamite, Nitro, ok, bon, vous avez peut-être fait un petit peu le rapprochement. Donc, voilà, donc du coup, concurrence directe entre deux fédés. Pour le coup, la NXT de la WWE, gérée de main de maître par Triple H. Et de l'autre côté, la AEW, gérée par Cody Rhodes, Omega et Tony Khan, il me semble bien, le COO, le chairman de la AEW. Donc, ça promet pour la suite. Mais c'est NXT qui a un coup d'avance et qui donc a attaqué son premier live show. Et on va parler de ça maintenant. Alors, j'ai pas de contradicteur. Donc, du coup, je vais dire plein de trucs qui vont peut-être vous aller adorer. Et puis, je vais peut-être dire plein de trucs que vous allez détester. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires. Balancez-moi un peu ce que vous avez pensé de ce show. Et puis, en même temps, je vais en profiter. Je vais lire un peu sur le Discord en live en même temps avec vous. Je vais lire un peu sur le Discord les avis sur ce show de NXT qui ont été donnés. Ça va faire plaisir à quelques Discordeurs de catch-up. Alors, on y va, on est parti donc pour cette première heure de show. Alors, ça commence avec la tête de Triple H. Hein. Vous avez Big Nose direct, en direct sur votre écran télé, quoi, qui fait donc une petite vidéo de présentation et en présentant les principaux lutteurs du roster quand même. Hein. D'entrée, ça dénote, voilà, on veut faire connaître, donc on y va d'entrée dès la toute première promo. Quoi. Et on attaque l'opener. Et l'opener, c'est les femmes qui sont à l'honneur. C'est un number one contender match pour le NXT Women Championship. Alors, ça se passe entre Candice LeRae, Mia Yim, Yoshirai et Bianca Belair. Alors, moi, je vous dis d'entrée, le line-up, le plateau des quatre choses, là, me sied beaucoup. Et du coup, je m'attends à un truc assez solide et pas mal. Et alors, je vais avoir une petite déception d'entrée, c'est-à-dire que ce pauvre match, il a duré que 10 minutes, quoi. 10 minutes, à mon goût, pour donner le spotlight à ces quatre filles-là, c'était vraiment, vraiment trop peu. Yoshirai, elle a... Elle a des matchs de 30 minutes dans les pattes s'il y a besoin. Et je pense que les quatre sont au niveau. J'aime beaucoup Bianca Belair. Mia Yim, c'est plus une brôleuse. Mais elle apporte un truc. Elle a cette ambiance hip-hop avec elle et tout ça que moi, je trouve plutôt, plutôt sympa. Et puis, on a Candice LeRae, donc Madame Gargano. Et elle est... Techniquement, elle est au point, quoi. Elle fait vraiment toute douce, toute gentille, etc. Mais techniquement, elle est au point. Donc voilà, donc je m'attendais à un match relativement long. Je m'étais tablé sur 15-17 minutes d'opener, peut-être. Et pour le coup, ce n'est pas ça qui s'est passé, les amis. Donc on a eu quand même quelques beaux spots. On a eu une belle powerbomb de Yim. On a eu un springboard moonsault. On a eu par l'arrêt. On a eu pas mal de choses, quoi. Et sachant que celle qui va gagner va affronter Shayna Baszler, la championne actuelle de NXT. Donc c'est pas rien, c'est pas un combat pour du beurre là, pour de la crotte, c'est du vrai bon gros combat. Alors maintenant, j'espère que j'aurai votre avis dans les commentaires, mais la surprise, c'est que Candice LeRae gagne le match. Moi, je m'attendais vraiment à du Yoshirai là,
ou du Bianca Belair, parce que moi, Bianca Belair, j'espère qu'elle va être un peu repoussée à l'avenir. Et en fait, c'est la troisième option que j'avais prise qui a gagné. En l'occurrence, c'est Candice LeRae. Candice LeRae qui gagne cet opener et qui gagne ce shot face à Shayna Baszler. Donc, elles vont se retrouver sous le titre en tronc et elles vont se toiser. Évidemment, Shayna Baszler, elle est venue avec ses copines, quoi. Elle est venue avec Marina Shafir, avec Jessamine Duke. Voilà. Donc, tout le monde est là. La championne est nargue LeRae avec sa ceinture dans un geste que vous connaissez bien. Et ça se termine là-dessus. Voilà, le match féminin se termine sur cette victoire de Candice LeRae. On continue, donc on est toujours dans cette première heure sur USA Network. Donc on peut déjà noter qu'ils ont prévu pas mal de vidéos. On voit aussi qu'il y a des changements au niveau des angles de caméra. Il y a eu une forme de repackaging image du show avec des caméras un peu plus lointaines. Je ne l'ai pas signalé au début et j'aurais dû le faire dès le début, faute. Mais ça se passe bien évidemment à la Full Sail University, c'est-à-dire sur le spot habituel de NXT. Voilà, ils n'ont pas changé de salle, il n'y a pas eu de truc exceptionnel pour cette première live. On est avec le public de NXT traditionnel, petite salle bien bruyante, bien bien chaude en général. Et ça se confirme dès l'opener de toute façon. Donc voilà, le public est chaud ce soir et il va l'être tout au long de la soirée. Donc derrière, on se retrouve avec les Undisputed Era qui sont dans les coulisses, quoi. Et il est en train de préparer Roderick Strong qui va affronter en main event de la première heure le Velveteen Dream, le champion d'Amérique du Nord. Donc ça nous annonce déjà un bon gros combat. Donc ensuite, on a le droit à une autre vidéo qui va nous raconter un peu la rivalité qui se déroule depuis quelques semaines entre Keith Lee et Dominik Dijakovic. Donc ça, je vous encourage à aller voir. Si vous n'avez pas vu, il y a déjà eu, je crois, si je ne me trompe pas, deux matchs entre les deux garçons. Et c'est gros parce que c'est les gros big men à l'heure actuelle avec Killian Dane. C'est les gros big men de NXT et qui sont capables de faire du très très lourd sur le ring. Donc les deux, ils nous sont annoncés qu'ils vont s'affronter la semaine prochaine dans le weekly de la semaine prochaine. Donc je vous encourage à aller suivre ce combat, quoi. Et on a une troisième vidéo qui nous annonce le match entre Matt Riddle et Killian Dane. Qui vont s'affronter ce soir dans un street fight et qui sera pour le coup le main event dans la deuxième heure. Voilà, qui va basculer sur le WWE Network. Voilà. Et on enchaîne, on a un combat. On a un combat entre Sean Maluta et entre Cameron Grimes. Cameron Grimes. Alors, il me semble que ce monsieur Cameron, c'est un transfuge de la TNA, de Impact Wrestling. Sean Maluta, il a déjà fait quelques apparitions sur NXT, il a jobé jusqu'à présent. Et alors là, écoutez, on est dans le Jobber's World à fond, puisque tout simplement, Grimes va gagner le combat en 6 secondes. Voilà, il porte un double stomp et le match se termine. Voilà, un squash dans les règles, un squash extrêmement, extrêmement rapide. Et voilà, donc si vous vouliez découvrir le talent de ces deux catcheurs-là, c'est un peu raté, parce que voilà, on n'a rien eu. Parce qu'ils ont rebasculé direct sur la vidéo. Donc, cette première heure, elle était quand même là pour hyper le public de la télévision qui pouvait être présent. Et donc, du coup, on repart, on nous rappelle le match de Velveteen Dream alors qu'il va arriver après. Mais bon, c'est pas grave. Et on nous met une petite présentation aussi de Damian Priest. Alors, on parlait de big men avec Dijakovic et Keith Lee. Là, on y est en plein dedans aussi, puisqu'un troisième big man qui arrive. Donc là, on a un quatuor de big men à NXT avec Damian Priest, Killian Dane. Et donc les deux Lee et Dijakovic, qui est bien intéressant à l'heure actuelle à NXT, quoi. Surtout qu'ils sont sur un peu le lancement dans la ligue de développement qu'est NXT. Alors est-ce qu'on peut dire encore que c'est une ligue de développement? Ça sera tout un débat à faire certainement à l'occasion avec un de mes compères. Mais Damian Priest, moi j'aime bien. Voilà, c'est un type que j'aime bien. J'aime bien son physique. J'aime bien son entrée. J'aime bien son look. Globalement, c'est un gars. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il peut donner au micro, puisqu'on ne l'a pas entendu à ce niveau-là, ou très très peu. Mais de ce que j'ai vu dans le ring, pour l'instant, ça me plaît bien, quoi. Et vous voyez, mine de rien, on cause, et on est déjà dans le main event de la première heure. Et là, le main event de la première heure, c'est ni plus ni moins que le North American Championship entre Roderick Strong et le Velveteen Dream. Alors, que vous dire? Ils ont envoyé quand même du lourd. Je m'attendais à une entrée peut-être plus spectaculaire de la part du Dream. Et finalement, il est resté dans un truc assez classique, purple, voilà, dans son entrée purple, je vais l'appeler comme ça, le Purple Dream. Et derrière, voilà, le petit Dera, en ce moment, ils sont chauds, puisqu'on peut le dire là, Adam Cole est donc le champion de NXT en titre. Et Fish et O'Reilly sont les champions tag team.
Donc il n'y a que Strong qui n'est pas en possession d'or. Et bah là, il est dans la course pleinement puisqu'il affronte le Velveteen Dream. Et ça se lance dans un combat que j'ai trouvé pas mal du tout. J'ai trouvé Roderick Strong très stiff. Ça a balancé du move. J'ai trouvé que Strong était globalement assez dominant pendant ce combat. Il y a eu des phases où de retour, où le face est revenu à la charge, Velveteen est revenu à la charge, mais malgré tout, Dream, il avait du mal, il avait beaucoup de mal à repousser Strong, c'était vraiment compliqué, quoi. Et ce monsieur Strong là, le master of neck of neck breaker, non, of knee breaker, enfin il a ce style là de balancer sur une souplesse et après d'atterrir sur les genoux qui est assez impressionnante. Alors Roderick Strong, il a une longue carrière à la Ring of Honor entre autres. Et maintenant, ça fait quelques années qu'il est sur NXT. Il a rejoint la Undisputed Era pour son plus grand bien, je pense. Et du coup, il nous sort des bonnes perfs en solo. Hein. Donc, soit il est dans les moves de Vislar de la Undisputed Era, soit quand il est en solo, il nous sort quand même des bons matchs. Donc, strong, pas de problème, quoi. Il y a pas de souci. Mais bon, ce match, il était écrit que ça allait pas se passer sans la Undisputed Era au complet, et c'est ce qui s'est passé. Yui débarque sur le ring, ils entourent le ring. Cole, Fish, O'Reilly, ils sont tous là, ils sont là tous les trois, ils entourent le ring. Ça commence à sentir quand même de plus en plus mauvais pour Dream qui était déjà dominé. Et puis bah voilà, il y a un ref bump un peu pourrave que j'ai trouvé. Vous m'en direz des nouvelles de ce ref bump, mais le ref bump est un peu pourrave. Distraction de Cole, super kick. Strong porte son move, alors le end of Heartache, si mes souvenirs sont exacts. Et il lui porte donc le second et ça lui donne la prise de treat. We got a new champion. Et là, les amis, l'Undisputed Era, porte fondamentalement bien son nom. Elle détient toutes les ceintures du roster NXT, voilà, au niveau masculin. Donc c'est quand même un fait à noter. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la brand. Qu'il y ait un clan qui détienne comme ça toutes les ceintures, même si, bon, on peut mettre un bémol en disant que le North American Championship est une ceinture récente dans le roster. Mais du coup, voilà, intéressant pour la suite. On a donné l'or à Strong. Le Velveteen Dream ressort affaibli de toute façon, parce qu'il a fait quand même un beau règne, il a fait des beaux takeovers. Et c'est un catcheur qui compte à l'avenir et qui va rester à NXT, je pense, pendant un moment le temps du TV Live, là. Parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup d'investissements sur lui. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour le Velveteen Dream dans le cadre de cette défaite. Et voir la Undisputed Era avec l'or au complet, écoutez, moi je dis que ça porte à débat tout ça. Voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord de ça? Est-ce que ça vous pose pas des problèmes? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça intéressant pour la suite. On verra. Dans l'instant présent, sur ce match-là, sur cette fin de première heure, c'était un beau match pour finir ce NXT Premier Lives. Voilà. Alors, du coup, il y a le switch. Ça bascule de l'autre côté, version WWE Network. Et là, on rattaque avec un match avec un habitué de la maison aussi, hein, un Pete Dunne, qui affronte Arturo Ruas, qui est un Brésilien, si je ne m'abuse, et qui est un peu genre capoeira... Mixed MMA, voilà, c'est un gars qui arrive avec un pantalon de kimono avec une ceinture, qui est assez léger, assez rapide, une barbe, crâne rasé, mec qui a déjà un petit peu jobé à l'occasion dans les weekly de NXT. Et il affronte Pete Dunne, donc là, bon, Pete Dunne, on s'attend à ce que ça soit quand même une domination de sa part et c'est ce qui ne va pas louper. Voilà, Pete Dunne va largement gagner ce combat, le maîtriser, ça sera un combat assez rapide. Pete Dunne va faire comme vous savez bien les amis là, vas-y que je te pète les doigts, et lui-même il lui pète même les doigts de pied, si les doigts de pied, il arrive à lui attraper le pied suite à une tentative de kick, et le Pete Dunne il va briser les doigts de pied de Arturo Ruas. Cet homme est toujours aussi sadique, toujours aussi face, toujours aussi acclamé par le public de NXT. Voilà, le Bruiserweight, il est au taquet chez taquet, quoi. Donc, il n'a pas de problème à NXT de popularité, Pete Dunne. Et donc, il termine ce match dans toute sa splendeur et victorieux. Voilà. Du coup, derrière, on a encore quelques vignettes. On a des vignettes pour vous annoncer des matchs. On a des vignettes où on apprend qu'on va avoir le titre Cruiserweight, le number one contender match pour le titre Cruiserweight.
qui est détenu par Drugolak à l'heure actuelle. Alors, faut savoir que 205 Live est dans la tourmente en ce moment et dans l'œil du cyclone. Il se dit haut et fort de plus en plus que le show va s'arrêter, que les lutteurs les lutteurs de 205 Live vont être rapatriés à NXT et à NXT UK. Ça semble quasiment acquis, hein. En tout cas, vous me direz si vous avez entendu des rumeurs contradictoires. On a aussi un teasing sur le retour de Dakota Kai, voilà, qui est une jeune demoiselle néo-zélandaise, qui est un petit peu en be-like Bailey, moi je trouve personnellement, mais qui est intéressante entre les cordes. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir un peu Dakota Kai, ce que ça donne. Derrière, on a un match féminin. Alors là, encore des matchs, encore un match assez rapide. Hein, ça fait le troisième match de la carte qui est très très rapide, quoi. Donc entre Xia Li, la chinoise, et Alia, qui est toujours accompagnée dorénavant de Vanessa Bourne. Donc je pense que là, on a une future tag team pour le roster féminin dans le futur. Peut-être on verra ce que ça donnera, quoi. Bon, je vous avoue, je suis pas un grand fanat de Alia et Vanessa Bourne. Donc bon, on va faire avec. Pour le coup, le match ne dure que 2 minutes. Un petit gros botch, c'est comme on veut, de la part de la chinoise, de Xia. Mais par contre, elle est impressionnante, elle met des beaux tornado kicks. Et puis voilà, il n'y a pas photo vraiment à l'IA, elle ne voit pas le joueur, elle se fait démolir en 2 minutes et circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, et on part sur autre chose. Et là, on nous annonce un match. Et on nous annonce un match entre Kushida et un jobber que, pour le coup, alors là, je ne l'avais jamais vu. Donc, si l'un d'entre vous le connaît, qu'il parle, appelé Denzel Desjournet, un grand mec pas mal bâti, quoi, qui arrive sur une entrée bien, bien speed. Mais pendant qu'il fait son entrée, bah, il y a un espèce d'interruption et on a le droit à l'arrivée. Alors là, pour le coup, pour moi, en tout cas, une totale surprise, puisqu'on a le NXT UK Imperium, qui n'est autre que le clan dominant à NXT UK, qui est la branche britannique de NXT. Et donc, on a droit à l'arrivée de Marcel Bartel, Alexander Wolf et Fabian Eichner. Donc, les deux Allemands et l'Italien qui débarquent, mais tout, dans un premier temps, sans Walter. Ils viennent dans le public et bah, ils viennent tout simplement détruire le jobber, qui, le pauvre, n'aura pas eu grand-chose à faire à part se faire démolir pour le coup. Et le public gueule Walter comme des veaux, ça n'arrête pas, quoi. Et effectivement, au bout d'un moment, la musique de Walter se déclenche, le ring général est là, on a tout le clan Imperium qui est présent à NXT, et non seulement ils sont présents, non seulement ils démolissent un pauvre jobber qui passait par là, mais en plus, l'Autrichien, il chope le micro, et il dit qu'il a décidé de restaurer l'honneur et la tradition de leur discipline. Rien que ça, tout un programme. Votez Walter. Voilà. Mais là, il y a un problème. Parce que bon, le match, à la base, il était annoncé pour Kushida. Et Kushida, donc, il n'est pas content. Et Kushida, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il décide de venir interrompre le grand gaillard autrichien, quoi. Pour lui dire que là, non, mais là, c'était son moment. Et que là, il a pas compris, là, Walter, ce qui se passe. Mais bon, en fait, Imperium, ils ont bien compris. Et ils décident d'attaquer le japonais, qui s'en sort plutôt pas trop mal, hein, qui esquive plus ou moins les trois premiers sbires. Mais bon, il se fait attraper par Walter quand même, donc on craint le pire pour lui, quoi. Mais il s'échappe. Le japonais est rapide, le japonais est technique, le japonais a des réflexes, donc le japonais s'échappe des grosses mains de Walter. Donc voilà, donc là on sent, alors moi ça me pose question, est-ce que Walter va rentrer dans une feud face à Kushida dans le cadre de NXT? Est-ce que Kushida va faire des interactions à NXT UK? Ça peut être intéressant pour ceux qui suivent les weekly de NXT UK. Je suis quand même très satisfait de voir Kushida à la WWE. Voir Imperium, c'était très bien. On avait eu l'occasion de vous commenter, de vous reviewer le NXT UK Cardiff, que j'avais trouvé superbe. Donc voilà, cette intrusion de ce clan, ça fait un nouveau clan à NXT là, avec la Undisputed Era. Maintenant on a 4 gars qui débarquent là et qui ont un leader voilà, qui a un gros powerhouse, qui met des athémies de fou furieux. Donc à suivre, peuple de catch-up, à suivre. Allez, on enchaîne. Ah, du coup là on a un match avec de l'enjeu. Donc là on enchaîne avec le number one contender match pour le 205 Live Championship. Et là, on a un habitué de la maison 205 Live, mais un habitué de la maison NXT aussi, puisqu'on a Ornel Orcan, voilà, Ornel Orcan, qui est sans Danny Burch, mais qui vient donc essayer de gratter du title shot, tout simplement. Et là, grosse surprise, c'est Lee Orush qui débarque,
Alors, surprise, pas tant que ça, puisque ça avait été annoncé dans un package vidéo. Mais malgré tout, le retour de Lio Rush à NXT, tout seul, sans trop de micro, et sous des welcome back de la part du public de la Full Sail University. Donc, un retour assez positif pour lui. Encore une fois, un match étrange. Alors, un match qui a été court, mais un match qui apparemment a été coupé parce qu'il y a eu un problème avec une panne du WWE Network. Donc, vous voyez, ça déconne. Ils ont ça a beau avoir du pognon à ras-bord, les McMahon. Et ben, ils n'aiment pas avoir un network qui tient la route quand il y a trop de connexions dessus. Voilà, donc on se retrouve avec une panne généralisée du network. Ce qui fait que. Il y a eu un espèce de. Même le stream a été bizarre, mais est revenu plus ou moins pendant le final du match. Et on voit Rush porter un Spanish Fly à l'Orcan. Il met son Dragon's Call Frog Splash. Et il remporte le match. Donc le match était court, mais est-ce que le match était court parce qu'il y a eu une panne et que du coup on n'a peut-être pas assisté à quelques minutes? Ou est-ce que vraiment. Voilà, non, c'était court de toute façon et que ça a repris et puis que ça s'est terminé là-dessus, quoi. Donc on se retrouve. Mine de rien, on se retrouve avec un Lio Rush qui est number one contender pour le 200, pas, excusez, oui, pour le 205 Live Championship, pour le Cruiserweight Championship, on va dire, ça va être plus simple. Le Cruiserweight Championship qui se retrouve avec une affiche Lio Rush versus Drew Gulak. Deux styles totalement opposés. On va voir si ça va s'affronter au micro parce que Drew Gulak, il aime bien le micro. Donc Lio Rush, de ce qu'il a montré dans le main roster, il aime bien le micro. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais ça se passe comme ça avec le Lio Rush. Voilà. On enchaîne et on enchaîne et on est déjà à notre main. Alors, notre main event, c'est un street fight. C'est Matt Riddle. C'est Killian Dane. Et c'est assez incroyable en soi. Les gars se sont déjà affrontés, se sont déjà mis dessus à TakeOver Toronto, je crois, où ils ont eu une grosse interaction de baston qui avait été assez énorme. Il y avait déjà eu un match entre eux. Bref, là, il commence à y avoir un passif entre les deux de plus en plus violent et cette rivalité, elle monte de cran en cran et toujours plus fort dans la violence, dans la bagarre, dans la salade de mandale. Et donc là, effectivement, là, le début de match commence d'entrée. Alors là, Nigel McGuinness, Beth Phoenix et Mauro Ranallo sont dans tous leurs états, je pense, là. Parce que là, il y a utilisation des candlesticks entre les deux qui part, mais vraiment en live. Les mecs se donnent vraiment méchants. Alors avec un Killian qui arrivait sur le ring, voilà, toujours aussi massif, avec un t-shirt coupé aux manches et avec un blouson cuir avec lequel il va catcher un peu d'ailleurs au début. Il va le garder un peu avant de l'enlever. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Spécial dédicace à Kyrias, l'homme au sens du détail. Et du coup, ouais, ça part vite en vrille. Ils partent vite en coulisses. Voilà, le combat se déplace en coulisses. Dane, il balance Riddle contre un camion. Là, on se dit que là, ça y est, ça commence à partir un peu vraiment en cahuète. Et ça part tellement en cahuète qu'il se retrouve dans un endroit où il y a Walter qui est attablé. Voilà, l'Autrichien prenait une collation. Et là, bah, Walter lui dit oh, bah, baston, j'y vais, j'y vais. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. Ça part en vrille totale. Parce que Walter, évidemment, il a ses sbires qui sont pas loin. Donc Imperium débarque. Imperium commence à s'en prendre à Riddle. Et là, ça part en bagarre générale! Là, il y a tout le monde, les amis. Les Street Profits débarquent. Ça commence à tourner au carrelage. Au carrelage, au carnage. Oh là, au carnage entre les faces et les heels de tout le roster. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près tout le roster qui vient se mêler au brawl. Et ça se retrouve dans une bagarre pas possible dans les coulisses, etc. Et petit à petit, Dane et Riddle s'extirpent du truc. Reviennent un peu vers les coulisses, on se dit ah, on revient un peu vers le ring, pardon, on se dit ah, ça va peut-être s'envoyer là entre les deux, ça va continuer, mais non non bah pas du tout. Alors pour moi ça a été un peu bizarre ça. Voilà, les autres lutteurs ont continué à se battre et ont suivi Riddle et Dane et tout le monde s'est retrouvé dans le ring et c'est parti dans une baston générale au milieu du ring. Et avec tout le monde qui se balance un peu Royal Rumble style, pile de lutteurs qui se retrouvent à l'extérieur, bodies everywhere, voilà. Et ça se termine là-dessus quoi. Ça se termine sur cette baston. On voit encore
quand le truc de générique de fin commence à partir, on voit encore des mecs dans le ring, on voit Pete Dunne entre autres, quoi, qui est encore en train de se mettre des mandales avec je sais plus quel heel qui passait par là à ce moment-là, quoi. Donc, truc assez incroyable. On finit pas du tout le weekly de NXT avec l'Undisputed Era, qui avait célébré certes à la fin du match entre Strong et Velvet in Dream, mais on aurait pu les revoir en fait sur la fin de Weekly. Je m'attendais un peu à ça pour le coup, et non pas du tout. On termine sur ce chaos absolu, quoi, entre tout le roster de NXT. Voilà, c'est la fin, ça se termine là-dessus. Pour l'info, je vais vous faire du spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous voulez, mais en Dark Main Event, parce qu'il y a eu un petit Dark Main Event. Il y a le General Manager Regal qui est donc venu sur le ring et qui a fait une annonce pour annoncer que bah, y aurait un rematch entre Riddle et Dane dès la semaine prochaine. Et là, pour le coup, il y a un enjeu dorénavant dans ce match. Donc là, quand je vous dis que cette rivalité elle va de plus en plus loin et qu'on monte d'un cran à chaque fois, bah, Riddle l'a confirmé, puisque là, Dane et Riddle vont s'affronter pour un number one contender pour le titre NXT de Adam Cole, baby! Voilà, voilà comment s'est passé cette review, voilà, pour ce NXT première live. Voilà, la toute première apparition télévisuelle de votre show Jaune et Noir. Alors, maintenant, je vais vous donner un top et une flop et une note, parce que c'est notre tradition et qu'elle est belle, cette tradition. Alors, écoutez, j'aurais pu vous donner, il y a eu 3-4 matchs vraiment courts. Mais alors, je vais le donner, même si c'était un bon match, mais pour moi, il n'a duré que 10 minutes et pour moi, tout le star power de ce match-là n'a pas été exploité. Voilà, c'est un match auquel j'aurais donné 15 à 17 minutes. Donc, mon flop, je vais le donner au temps, à l'exposition donnée à l'opener. Ça va faire peut-être bondir plein de gens, j'espère, insultez-moi dans les commentaires. Mais donc du coup, je vais donner mon flop à cet opener qui pour moi n'a pas eu le spotlight qu'il méritait. Voilà, 10 minutes dans un match avec 4 nanas de cette qualité, avec Yoshirai, Mazette, quoi. Yoshirai, quoi, mais Yoshirai, c'est cette catcheuse, c'est quelque chose d'énorme. Moi, il me tarde de la voir à NXT peut-être live tous les mercredis, mais de la voir aussi dans le main roster, quoi. Je vous dis, moi, Yoshirai, c'est du lourd de chez lourd chez les filles. Et donc voilà, déçu, je voulais quelque chose de plus fort, de plus beau là pour cette première live. Voilà, j'avais tellement d'espoir dans ce match que bah, finalement, ouais, une déception, quoi. Mon top, il va aller tout simplement au de la première heure, il va aller au Roderick Strong versus Velvet in Dream. Voilà, avec cette prise de pouvoir de l'Undisputed Era totale et brutale et fatale. Voilà. C'est Roderick Strong qui repart avec le titre. Félicitations à Velvet in Dream, quoi. Il n'a pas démérité et il va revenir. Et j'ai zéro inquiétude pour le Dream. Voilà, le Dream n'est pas over. Le Dream est toujours là et il est bien là. Et ça va. Et cette note pour un premier truc. Voilà, entre les pannes, entre les caméras qui ont changé, entre le switch du USA Network au WWE Network. Entre plusieurs matchs courts, deux gros vraiment affrontements, la mise en place de la rivalité avec Kushida. Bon, il y a quand même eu un match pour le Cruiserweight, mais pour le number one contender Cruiserweight, mais ce match, malheureusement, il a été très très court aussi. Donc, je vais mettre un 3. Voilà. Allez, on va pas tergiverser 2 heures, les amis de catch-up. Donc, je vais mettre un 3 à ce premier live. Voilà. Alors moi, je ne sais pas si je vous en ferai un deuxième ou un troisième. Ce n'était pas trop dans nos habitudes de faire des weekly de NXT, mais il y en a eu quelques-uns quand même. Mais bon, là, on s'est dit, allez, exceptionnellement, là, franchement, une première à la télé. Depuis le temps qu'on en cause de tout ça, de NXT, il fallait quand même lui consacrer une review. Donc, voilà, les amis, je m'y suis collé. Et je m'y suis collé avec plaisir d'avoir vu ce show ce matin tôt et de pouvoir vous en parler ce soir tard. Voilà, et ben voilà, on est arrivé au bout de cette review. Alors, vous connaissez la procédure, on va parler des trucs qui fâchent, on va parler des likes, des no-likes, des un-likes, on va parler de la petite cloche qu'il faut faire sonner, on va parler des commentaires qu'il faut laisser, en particulier sur YouTube, parce que moi, c'est souvent sur YouTube que je vais pour voir ce qui se dit ou ce qui se dit pas sur Catch-Up. Et après, vous nous retrouvez sur tous les grosses plateformes de podcast, voilà, iCloud, Spotify, je sais plus quoi. J'oublie à chaque fois, moi, la promo, mais vraiment, c'est une catastrophe. Je crois qu'on est sur Deezer aussi.
iCloud, enfin, je l'ai peut-être déjà dit de toute façon. Et puis, vous nous retrouvez sur Facebook, et puis sur Twitter, et puis sur les cahiers du catch. Voilà, avec tous vos chroniqueurs habituels, Kyrias, Ringside, Raphaël, IRM, Giscal, Chris. Voilà, on est tous là, on vous review les shows, les pay-per-view, les Raw, les SmackDown, un peu de NXT, un peu de TakeOver, un peu d'AEW très bientôt, parce que je pense qu'on ne manquera pas à la première le 2 octobre pour la All Elite Wrestling Dynamite. Et voilà, on se retrouvera à ce moment-là. Et ben voilà, peuple de catch-up, on y est arrivé, on est au bout. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir ce NXT, ça valait quand même le coup. Merci d'être avec nous, on vous fait plein de bisous. Salut peuple de catch-up. Mamma mia!